Allez Martine! Allez Martine! Allez Mathieu, t'as plus? Ah bah oui, attends. Allez Lolo, allez. Bravo!
pour gagner, qu'est-ce que je ferais pas? Attention. Ah, on a un mois. Bon, la passerelle, c'est en avant. Lilian, hein. Je suis remontée. Bon, ah, c'est le jeu, c'est pas grave. Bon Marion, ça a été. Avoir participé. Ça a été. Pardon. Un huissier. Ouais, curieux. Ah, attends, je t'ai oublié, tiens, tu tombes bien. Sympathique, hein. Je vais dire Yana, ça sera plus simple. Parce que vous êtes tellement sympathique et toujours le sourire. Et cette dame est à l'origine, hein, de cette belle fête du haricot. D'ailleurs, vous pouvez l'applaudir, hein, vous n'hésitez pas. Parce que elle a toujours la pêche. Hein, vraiment, là, il n'y a pas. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est déroulé ce matin. Combien il y avait de participants, participantes? On avait 25 participants. D'accord. Et le parcours, c'était combien de temps? Vu qu'il y avait des obstacles aussi. C'était un parcours semé d'embûches qui devait être réalisé en moins de 20 minutes. Oui. Et il fallait ramener la plus grande quantité d'eau dans ses verres. D'accord. Ça va? Il n'y a pas eu trop de chutes ou... Ça a été. Personne ne s'est blessé. Non. On s'est amusé. Et en plus, c'était sympa parce qu'on a pu se déguiser aussi. Absolument. Hein. Voilà. Vous voyez, regardez. On peut les applaudir aussi parce que... Quatrième de cette course. Stéphane Avi. Stéphane Avi, il est où? Il arrive. Il arrive, voilà, on peut l'applaudir, il a fini quatrième. Alors, donnez-nous un petit peu son palmarès, un petit peu, il a fini quatrième, c'est-à-dire? Alors, il a fini quatrième sur les 25 avec 1,776 kg. Voilà, 1,776 kg quand même, hein. Stéphane représente la bourse au grain. Voilà. Bah, Yana. Bravo, on peut applaudir. Pour la photo, s'il vous plaît. Personne, troisième, qui a fini troisième. Alors, cette fois-ci, c'est une femme, Sabrina Lemolle. Sabrina Lemolle. Eh bien, elle est là. Allez, venez, 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 n'ayez pas peur. Venez chercher votre récompense. Et alors, Sabrina, le poids? Alors... Le poids du plateau, hein, avec les verres. Hein. Je précise. 1,797. 1,797 kg, voilà. C'est donc Monsieur Olivier Engrand, conseiller régional, qui remet donc la récompense avec la petite photo. Deuxième, suspense. Deuxième. Toujours une femme, Marie-Cécile. Ah, bravo, Marie-Cécile. Très bien. Alors attendez, Yann, je vais me pousser. Voilà. Et alors, c'est le prix est remis par, vous êtes monsieur? Alexis Garcia. Et vous êtes de là? Chef d'établissement lycée Saint-Vincent-de-Paul. Mais très bien, voilà, on peut l'applaudir. Alors le poids, on peut donner le poids? On a perdu le poids. 1,812 kg. 1,812 kg, bravo! Avec ou sans la perruque? Avec la perruque. Et la première ou le premier, qui a gagné cette course? Le premier qui était reparti travailler. Et qui est revenu. Et qui est revenu pour ses beaux métiers, Rémi Martin, la bourse au grain. Voilà! Bravo! Et le poids pour Rémi? Alors pour Rémi, 1,878 kg. Et voilà, on peut applaudir le prix remis par monsieur le maire, monsieur Crémon. On peut applaudir également et la petite photo. Voilà. Et je pense qu'on peut applaudir bien sûr tous les participants de cette course. Parce que c'est la première, je crois, c'est ça, hein, c'est première course de... Voilà, donc expliquez-nous. Oui, c'est une première à Soissons. Comme on n'a pas pu faire de parade, il faut quand même amener du monde et puis que les gens soient heureux. Donc, on l'a avec Saint-Vincent-de-Paul. C'est Saint-Vincent-de-Paul qui nous a donné l'idée de faire cette course de garçons et de filles de café. Mais l'année prochaine,
même si nous avons la parade, nous mettrons cette course de café réservée aux professionnels d'une part et ensuite à monsieur tout le monde. Voilà. Très bien. Je participerai peut-être alors. Monsieur le maire. Bon, vous avez bien compris que ce n'était pas moi qui décidais. Non, ce que je voudrais très vite, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à acheter, remercier et féliciter une nouvelle fois l'ensemble des acteurs qui ont participé et qui participent à la réussite de cette manifestation. Pour tout vous dire, il faut à peu près un an pour organiser, un an besoin de se rencontrer, et comme le disait Yana tout à l'heure, c'est quand même des instants de bonheur, des moments heureux. Ce qui fait la particularité aussi de cette fête populaire, et c'est pas un gros mot, c'est cet aspect familial. Je ne sais pas si vous avez observé, il y en a pour tous les âges, il y en a pour tous les goûts et il y en a pour toutes les bourses. Donc je voudrais féliciter et remercier l'ensemble des services municipaux qui ne comptent pas leur temps. Ils sont là, je crois qu'on peut les applaudir. L'ensemble des associations qui ont participé aussi, l'ensemble des confréries qui sont présentes, et vous savez que Yana, ça allait les chercher, hein. Mais même en temps de pandémie. Et puis bien sûr... Celui qui est le maître de cette organisation, qui est là et qui organise ça depuis plusieurs années, qui est Fabrice de Carnel et qui met tout son talent au service de cette belle fête populaire. Merci Fabrice. Voilà, et je vous dis encore une belle journée et à l'année prochaine. Merci monsieur le maire. Alors, un grand merci à tous les partenaires qui ont rendu cette course possible, à commencer par la ville de Soissons qui a co-organisé cette première course avec le lycée Saint-Vincent-de-Paul, la boîte à mousse et la compagnie Akali. Tous ces partenaires ont offert les nombreux lots qu'on a pu remettre à tous les gagnants. À très vite. Merci beaucoup. Alors, les trois premiers, vous pouvez monter ensuite sur le podium pour faire une belle photo derrière. Là, vous allez... Voilà, les petites photos. On applaudit les quatre premiers de la course de filles et garçons de café. All right.